Ce jeudi 6 juin 2024, la ville de Saint-Priest a écrit une nouvelle page de son histoire avec le cyclisme. En effet, malgré une course neutralisée après une chute importante, les Saint-Priest ont eu la joie et la fierté d'accueillir une étape du Critérium du Dauphiné. Pour l'occasion, et avant l'arrivée, Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, et Laurent Chèvre, adjoint au sport, sont revenus sur l'organisation de cet événement de grande envergure. Aujourd'hui, nous sommes au pied du château, à côté du théâtre, au bout de cette magnifique avenue Jean Jaurès que les Saint-Priest appellent communément l'avenue des Platanes, pour accueillir une étape du Critérium du Dauphiné. La seule étape d'ailleurs rodanienne. C'est pour nous un événement exceptionnel, puisqu'il y a une vraie histoire du vélo à Saint-Priest, avec trois fois le passage du Tour de France, une fois le Critérium du Dauphiné. Tout le monde s'est mobilisé, c'est un événement rassembleur et populaire. Les gens commencent déjà à arriver en nombre. Que du bonheur pour la ville, que du bonheur pour le sport en général dans la ville. Nous avons les quatre lauriers, ville active et sportive. Et c'est la concrétisation de pas mal d'années d'efforts et tous les services de la ville se sont rassemblés, se sont mobilisés pour pouvoir mettre ce bel événement en place. On a imaginé l'année dernière pouvoir organiser une étape de ce critérium. Les techniciens ASO qui organisent ce critérium sont venus sur le site pour voir si la ville de Saint-Priest pouvait accueillir ce genre d'événement. Et ça a été validé assez rapidement. Alors, en plus, comme vous pouvez le voir, avec une belle avenue Jean Jaurès qui va accueillir cette arrivée, ça convenait complètement au cahier des charges de ASO. En termes de logistique, oui, c'est un gros travail. Le service des sports a travaillé avec les services techniques de la ville. Tout le monde a été mobilisé. C'est le tracé, la pose des barrières. Et d'ailleurs, je tiens à ce titre à remercier tous les agents de la ville qui ont œuvré pour l'organisation de cette journée sans relâche depuis hier au niveau opérationnel, mais au niveau de l'organisation depuis plusieurs mois. Donc merci à eux pour nous faire vivre cet événement, c'est grâce à eux aussi.